Purple Campus, c'est 17 campus répartis sur toute cette belle région Occitanie. C'est une offre de formation pour l'apprentissage d'une centaine de diplômes, du CAP au diplôme d'ingénieur, sur 15 filières de formation. Et en formation professionnelle continue, c'est un catalogue standard d'une centaine d'offres de formation en complément de tout ce qui est les formations sur mesure que nous pouvons proposer aux entreprises. Régionaliser, c'est avant tout mutualiser pour mieux répondre aux besoins de l'ensemble des territoires de notre région. Et donc, c'est également d'avoir une offre complémentaire sur l'ensemble de cette région. Ça a été aussi de tenir compte de la réforme des chambres de commerce et d'industrie. Et puis, le troisième argument, c'est cette offre mutualisée, régionalisée et externalisée sous forme d'association. Pour être en phase avec cette volonté politique, il fallait trouver la bonne marque. C'est d'être à l'écoute des entreprises, des branches professionnelles et des OPCO, les nouveaux opérateurs financeurs, pour faire évoluer nos formations en cours, créer de nouvelles formations pour répondre à l'évolution des nouveaux besoins et des nouveaux métiers. Deuxième aspect, c'est véritablement que cette ingénierie, elle s'inscrive dans les nouveaux formats pédagogiques. La digitalisation est un de ces formats, au même titre que l'individualisation. Une entreprise qui investit sur un apprenti, c'est une entreprise qui passe déjà demain et qui va effectivement aussi, à travers cette démarche, sécuriser le savoir-faire qui est le sien. À la fois les métiers qu'elle occupe, qu'elle développe, mais c'est aussi pour accompagner aux métiers de demain. J'incite les entreprises à venir miser toujours sur l'apprentissage et miser chez les numéro 1, c'est-à-dire nous, les chambres de commerce et d'industrie.